Merci, merci beaucoup. Écoutez, j'avais dit, j'ai rencontré pour la première fois Marie Joissin un jour à Marseille dans une campagne européenne où encore Renaud Muselier faisait encore un discours comme il a l'habitude de les faire avec des envolées lyriques. Et ce jour-là, elle m'a dit, Damien, écoute, je le sens, tu seras un bon député européen. Et je lui ai répondu, ben écoute, un bon député européen, c'est un député européen qui fait le job à Bruxelles et à Strasbourg, mais c'est aussi un député européen qui sait revenir dans sa circonscription quand il faut. Et bien voilà, j'aurais préféré revenir un peu plus tard, c'est vrai, pour notre événement, mais c'est pas grave. Il y a des qui veulent jouer, on va jouer et on va gagner, c'est certain. Donc merci, Marie. Je voudrais aussi remercier bien sûr l'ensemble des personnalités ici présentes, Xavier Bertrand, pour toute la confiance dont il m'a témoigné depuis le début, parce que ce n'est pas simple de mettre un jeune en position éligible, c'est pas simple quand on est simplement conseiller municipal et président des jeunes. Donc vraiment merci. Et puis, comme Renaud a eu la gentillesse de ne pas le faire, ben moi je vais me permettre de le faire, je vais saluer bien sûr ma famille politique, celle du Nouveau Centre, en tête bien sûr Yvan Lachaud, notre secrétaire général du mouvement. Député du Gard et adjoint au maire de Lille. Et puis je voudrais aussi saluer, j'espère que je ne vais pas m'oublier cette fois-ci, bien sûr Bruno Genzana, la vedette locale. Jacques Garçon, bien entendu, également. Et notre conseillère régionale, Mireille Benedetti. Et salut aussi nos amis de la gauche moderne avec qui on fait non seulement un super boulot au Parlement, mais aussi dans toutes les élections et les prochaines élections, j'en suis sûr. Simplement, moi je suis venu pour vous apporter 2-3 témoignages très rapides. Alors d'abord pour vous dire qu'il fait meilleur ici qu'à Strasbourg, mais ça vous n'aurez pas de mal à me comprendre. Il pleut un peu moins qu'à Bruxelles, donc j'aimerais bien de temps en temps, si on pouvait délocaliser le Parlement européen à Aix ou Marseille, honnêtement ça m'arrangerait. Il y a une représentation du Parlement, mais si on avait un jour un Parlement, pourquoi pas. Et simplement pour vous dire 2 choses. D'abord la première chose, Maryse, c'est que oui, le Nouveau Centre, tout le Nouveau Centre sera derrière toi, tu ne te manqueras pas une seule voix, je te le promets. Et surtout, je veux te dire aussi que c'est pas que le Nouveau Centre, il faut que tous ceux qui se sentent au centre, qui se sentent centristes, au centre droit. Et je sais que dans cette ville d'Aix, c'est important. Je sais que dans cette ville d'Aix, par le passé, c'est le centre droit qui a fait gagner un certain nombre d'élections. Et comme je l'ai dit avec Bruno, avec Jacques, nous serons là, nous sommes derrière toi. Tous les autres sont des faux centristes, sont des égocentristes, mais pas des centristes. Et tu sais, ne t'inquiète pas, ce qui marche au second tour, c'est les alliances solides. Ce qui marche au second tour, c'est quand les gens ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et ce qui marche au second tour, c'est quand il y a ces liens d'amitié, ce supplément d'âme qui fait que de toute façon, une victoire juridique se transformera forcément en défaite politique et que nous, nous préférons tous ensemble la victoire politique. Nous avons gagné une fois, nous regagnerons une deuxième fois, ce n'est pas le problème. Deuxième message que je voulais vous faire passer, je sais qu'ici c'est une ville jeune, c'est une ville universitaire, et en tant que Benjamin des eurodéputés français, je voudrais aussi adresser ce message à la jeunesse, à tous ceux que vous connaissez qui sont dans les facs ou qui sont aujourd'hui en vacances, mobilisez-vous pour un projet, mobilisez-vous pour une ville, pour l'honneur d'une ville, oui, c'est vrai, et surtout ne vous trompez pas, ne laissez-vous pas mener par des sirènes et des lendemains qui déchantent, et donc je voudrais dire à cette jeunesse, faites confiance à Maryse et à son équipe, parce que c'est là où sont les projets novateurs, c'est là où est la dynamique de demain, et c'est là où les jeunes auront toute leur place, avec Bruno, on le voit notamment, avec plein d'autres personnes, j'en suis sûr ici, j'en ai rencontré plein depuis tout à l'heure, mais vraiment, je compte sur vous, la jeunesse doit être aussi mobilisée sur ces élections, et la jeunesse doit être derrière Maryse, et pas ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on conduit des projets pour demain, et je peux te dire aussi que les parlementaires européens sont derrière toi, et on fera tout ce qu'il faut pour que cette ville, un jour, ait aussi bénéficie de ces projets européens, parce que vous savez, simplement un mot, et après j'en terminerai par là, pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, vous savez, je suis rentré en fonction à Strasbourg le 14 juillet, et bien j'ai retenu un seul chiffre. Ce chiffre, c'est que nous sommes le premier contributeur net à l'Union Européenne, et nous sommes le dernier utilisateur des fonds communautaires, ça veut dire que nous avons plein de fonds qui sont en réserve, nous devons les utiliser pour cette vie. Dernier message à vous faire passer, c'est bien sûr celui de la mobilisation.
Mobilisez-vous, d'abord vous-même bien entendu, mais aussi vos voisins, vos amis. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote très simple. La première élection que j'ai gagnée, c'est une élection municipale, un mandat de conseiller municipal. On dit souvent que c'est le plus beau, et c'est vrai, il est pas mal. Eh bien, cette élection-là, on l'a gagnée à 16 voix. 16 voix. Et oui, tu t'en rappelles, Yvan, cette élection à Vauvert, dans le Gard. Eh bien, je peux vous dire que chacune de ces voix-là compte. Et je peux vous dire que donc, mobilisez-vous tous ensemble, chacun d'entre vous. Ne dites pas, je ne vais pas aller voter parce que mon voisin le fera à ma place et que de toute façon, ma voix ne pèse rien. Au contraire, chaque élection nous le montre aujourd'hui, le rapport de force est serré, mais nous gagnerons parce que nous avons la majorité. La seule condition de cette victoire, c'est que chacun d'entre nous s'exprime. Ne laissons pas cette belle ville d'Aix à des mains de gens qui n'en veulent pas, qui n'aiment pas leur ville, qui ont comme seul projet de critiquer, critiquer et encore critiquer. Vous savez, on parle beaucoup d'arithmétique, mais l'arithmétique, ce n'est pas la politique, l'arithmétique, ce n'est pas la dynamique. Eh bien, nous, nous avons fait le choix de la politique. De la dynamique, eh bien, on le disait voilà un mois, quand l'Europe veut, l'Europe peut, quand Aix veut, Aix peut, mobilisons nous et gagnons tous ensemble, j'en suis sûr de moi.